for the party, two for the shawty, three for the shake, yeah, bum 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 bum. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, je commence avec les cheveux pas mal dégueux. Enfin, mes cheveux étaient dans un chignon pendant genre archi longtemps, du coup c'est vraiment pas trop ça. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je file à la douche et j'ai fait mon shampoing et mon après-shampoing. Donc dans cette vidéo, je vais utiliser l'intégralité du nouveau coffret de chez Activilong, le coffret spécial Fête des Mères. Et dedans, vous avez un leave-in, une huile pour sceller l'hydratation, une crème soufflée, le gel force 4 à base d'huile de ricin et un bonnet en satin. Donc pour commencer, je viens séparer mes cheveux en deux et ensuite je vais en faire plusieurs parties. Donc dans un premier temps, j'attache cette partie et ensuite je vais venir séparer encore mes cheveux. Donc une fois que j'ai ma première partie, je viens commencer par humidifier les cheveux. Et les filles, honnêtement, vos produits, mettez-les sur cheveux mouillés, ça va vous changer la vie. Il faut vraiment que vos cheveux soient bien 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 mouillés. Ensuite, je viens prendre le premier produit, donc c'est le leave-in de la gamme ActiveForce. Et donc je viens l'appliquer avec mes mains, donc en fait je viens démêler mes cheveux et en même temps appliquer mon produit. Une fois que j'ai bien appliqué mon produit sur toute ma longueur, je viens prendre ma Demon Brush. Et pour toutes celles qui ne connaissent pas encore cette brosse, si vous voulez vraiment des boucles au top, il vous la faut, c'est vraiment la brosse à avoir. Si vous avez les cheveux bouclés, je vous mets mon Amazon Shop juste en barre d'infos, donc cliquez, il y aura le lien pour la commander. Ensuite, je viens prendre la crème soufflée et je fais exactement le même process. Je l'applique avec les doigts tout en venant démêler mes cheveux. Et ensuite, je viens faire la même chose sur toute ma tête. Ensuite, je viens prendre le troisième produit de la box et en fait, c'est une huile qui va venir sceller mon hydratation. Donc là, j'en applique un petit peu sur tous mes cheveux. Donc là j'ai fini d'appliquer tous mes produits, mes cheveux sont totalement stylisés. J'ai mis mon leave-in, j'ai mis ma crème, j'ai mis mon huile pour sceller mon hydratation. Donc mon hydratation va bien pouvoir rester dans mes cheveux. Et donc en fait ce que j'aime faire c'est laisser sécher mes cheveux environ une petite heure. Et ensuite une fois que mes cheveux sont secs, je viens les mettre en ananas de façon à les mettre dans mon bonnet en satin. Donc je viens faire mon ananas comme ça, ensuite je viens mettre mon bonnet en satin, donc normalement hein, comme un bonnet en satin. Une fois que j'ai bien mis mon bonnet, c'est l'heure d'aller dormir et on se retrouve demain matin. C'est le matin, donc là je viens retirer mon bonnet et ensuite je viens retirer mon ananas. Et donc là j'ai juste en fait à secouer un petit peu mes cheveux, ils sont quand même toujours un petit peu humides. Mais du coup mes boucles elles sont vachement définies et ça va sécher en fait dans l'heure qui va suivre. Ensuite on passe à la coiffure, donc là je viens séparer mes cheveux en deux, donc comme vous pouvez le voir. Et ensuite je viens les reséparer encore en deux en faisant une raie un petit peu tordue. Ensuite je viens attacher cette partie qui ne va pas du tout nous servir. Et je vais venir recréer une petite séparation donc pour faire une petite natte, vous voyez, juste au-dessus de mon oreille. Ensuite, je viens prendre le gel de chez Activilong. Donc là, c'est les nouveautés Activilong. Ils ont sorti 4 gels. Celui-ci, c'est la force numéro 4. Et franchement, il est juste top. En plus, il est à l'huile de ricin. Donc, tout ce qui est bon pour les cheveux. Donc là, je viens séparer mes cheveux encore en deux. Et en fait, je vais venir les attacher à l'aide de petits élastiques noirs. Et ensuite, je vais venir faire pareil pour faire 4 petites séparations. Mmh.
une fois que j'ai fait mes 4 séparations, je vais en prendre les 2 premières de devant et là je vais faire des petites notes, mais vraiment pas jusqu'à la fin parce que c'est simplement pour venir les attacher avec celles de derrière. Une fois que j'ai fini mes petites nattes, je viens prendre un élastique noir et je viens attacher mes nattes de façon à les croiser. Ensuite, la petite touche déco, je viens ajouter des petites bagues de cheveux et pareil, je vous mets le lien dans mon Amazon Shop, donc vous avez juste à cliquer sur le lien. Et là, je vais en mettre 5 de façon à faire un petit carré et un au milieu pour marquer en fait la croix. Ensuite, c'est l'heure de travailler les babyhairs parce que non, on peut pas sortir comme ça. Du coup, je viens prendre le gel Force 4 de chez Active et Longue et là, je viens faire mes babyhairs à l'aide de ma brosse à dents. Si, rien là.